Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Star White! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Origins pour l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Alors, souvenez-vous, on devait sauver donc le vieil homme, ça a été fait. Maintenant, on va aller faire la quête des Volto. On y va, on devait aller, souvenez-vous, à la ferme de nuit. Le marchand attend la ferme, cette fois-ci, il fait nuit. Allons-y! C'est parti! Alors je sais que j'ai pas mal galéré dans l'épisode précédent, ça a été difficile pour moi. La prise en main de ce jeu est assez difficile encore, mais ça va venir, j'ai confiance. Allez, on va... Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tout le monde s'est bloqué? Ok, c'est bon. Bon, j'ai eu peur. Ça va aller de mieux en mieux. J'ai encore du mal à comprendre un petit peu ces esquives, tout ça, mais ça va venir. Au moins, je vous laisse tout, que ce soit les bons moments, les mauvais moments. Ah, il devrait être là. Mon ami, je suis content que tu aies pu venir. Viens, assieds-toi et buvons un peu de vin. Hélas, je n'en ai pas le temps. Ah. La nuit est magnifique. Profitons un instant de la fraîcheur de l'air avant de parler affaires. Marchand, je ne suis pas venu pour prendre l'air. Qui a organisé ce trafic de fausses idoles? Bien, tu vois, c'est assez compliqué. Beaucoup de gens sont mêlés à cette sortie d'affaires. Mais tous te diront la même chose. Malheur à l'homme crédule, car il est destiné à souffrir. Si tu cherches le mal, sois sûr qu'il te trouvera. On dira ce qu'on veut, il sait pas. C'est un traquenard. Un homme qui se bat aussi bien que toi peut se permettre d'être crédule. Parle, ou tu connaîtras le même sort que les autres. Ce ne sera pas nécessaire. Le campement de brigands où on fabrique les fausses momies est dans les dunes, au sud-est. J'imagine que tu es pressé d'aller le détruire. Mieux vaut ce camp que ton crâne. La destruction de ces imitations fera plaisir aux dieux. Par la lumière de Ré, c'est une honte. Allons-y! 400 mètres, on y va! Cible localisée. Allez, en moi. Tuez le capitaine, pillez le trésor. Thank you.
Oh le con! Capitaine aussi. Oh putain, il m'a mis cher ce connard. Sérieux là? Putain, je suis mort par par le feu quoi. Merde. Dégage. Oh putain, vite l'archer, vite l'archer. Ça c'est good. Alors, tu comptes le récupérer ou pas? Ouais. Voilà, piquer le trésor, c'est fait aussi. Ok, bon, on sera mort qu'une fois, mais par le feu, malheureusement. L'arc de chasse, lui, il va envoyer. Au niveau des aptitudes, j'ai qu'un point. Allons-y. Allez, 600 mètres.
Pas en couille, mon truc. Dégage. Voilà. Que puis-je faire pour alléger le fardeau d'un vieil ami? Nous avons organisé un grand spectacle ici, ce soir. Sekhmet, notre déesse, doit défendre le peuple face au chaos disfaite. Mais Pamu, notre champion, est introuvable. Et le grand prêtre va me tenir pour responsable de son absence. Je vais aller voir. Sekhmet te bénisse. Il habite près du marché. Mais rends-toi d'abord à la taverne. Je regrette d'avoir à te demander un autre service. Allez, plus 600. On passe niveau 7. Plus un point de compétence, on va pouvoir se la mettre. Nouvelle quête, la dame du massacre. On va déjà aller dans l'attitude. Avec ces deux points, nous allons aller ici. Au niveau des quêtes, la dame du massacre, c'est seulement à 200 mètres, allons-y. On a trouvé quelque chose là-bas. Voilà pas mal. Oh, il pue la bière. Oh, merci. Ça fait des heures que j'essayais de le chasser. Allez. On y va. Ah ouais, mais bon. Allez. On va se le porter jusqu'à l'intérieur comme ça. Merde, il pas là non plus. C'est pas. Ok. Menehet. C'est pas mou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il adore boire à la santé de Sekhmet. Trop, visiblement. C'est une catastrophe. Les gens sont venus des terres rouges et noires pour le voir combattre. S'il ne s'agit que de se battre, je peux le remplacer. Tu nous sauves, Mejai. Tu attires les honneurs sur toi en m'épargnant la honte. Va parler au grand prêtre dans la cour du temple. C'est lui qui préside la cérémonie. Allons-y.
Grand prêtre, je vais combattre au nom de Sekhmet. Tu n'es pas Bamou? C'est lui que j'attendais. Bamou est... souffrant. Il se repose au temple. Bien. Suis-moi. Ok, on va le remplacer, ça va être sympa. Oh, oh, oh. Là, ça rigole plus. Là. Ce n'est pas un véritable combat, mais tu dois rester vigilant. Ne crains rien. Je saurai rendre hommage à cette nuit. Nous vous remercions de votre présence en cette nuit sacrée. Nous vous invitons à être témoins. Ok. Si vos cœurs se laissent gagner par la méchanceté, Isfet, le maléfique, aura raison de la déesse. Et condamnera Imu à 100 saisons de sinistres ténèbres. Putain, il a un bouclier. Si vos cœurs restent purs, la déesse nous sera favorable et nous protégera de l'obscurité du chaos. Que le combat commence. Lequel est Sekhmet et lequel est Isfet? Depuis des temps immémoriaux, Sekhmet, l'Alliance, nous protège de l'avidité d'Isfet. Isfet a jadis été l'époux de Maha, déesse de l'or. Altérant la balance du jugement, il s'est engraissé des âmes immortelles. Mahat l'a chassé du lieu du jugement. Sa fin l'a poussé à revenir. Mais Sekhmet connaissait son cœur et a monté la garde à la porte. Le combat a duré 20 jours et 20 nuits. Oh putain, il frappe fort. Je suis down. Un peu ma vie, parce que là, ça va. Les trous de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Oh. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Les trous de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Ouais, pas mal ça. On a fait un peu plus de la moitié maintenant. Son arme brille du feu de Sekhmet. Le guerrier Sekhmet, chasse la malentendue. Le chaos. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Oh, attention là-dessus. Ouh, ça peut partir à n'importe où. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Le guerrier de Sekhmet, repousse le chaos. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Holy fuck! Attention, c'est difficile là. Oh, on a fait une belle esquive là-haut. Son champion va gagner. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Sera battu par la déesse. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Holy fuck! Non! Pas maintenant! Non, je suis mort! Putain, j'y crois pas. Guerrier de Sekhmet, redresse-toi! Oncle Baguette sait se battre. Je l'ai vu combattre une bête sauvage. Sekhmet réchauffe le cœur de son guerrier.
Que la puissance de Sekhmet anime son bras. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Laisse-moi me battre à ta place, oncle Bayek. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. De Sekhmet, le guerrier de Sekhmet. Wow. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Tu dois gagner. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Les coups de holy fuck. Non, je suis mort. Ah! Wouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai cru que tu étais la buveuse de sang en personne. Ah! Je ne connaissais pas le récit qu'a fait le prêtre du combat entre la déesse et Isfet. Il l'a inventé de toutes pièces. Tu n'entendras cela qu'à Imo. J'aimerais que tu restes quelque temps parmi nous, mais je sais que d'autres devoirs t'appellent. Je vais dire au revoir aux enfants avant de partir. D'accord, tu vas leur manquer. Tu seras toujours le bienvenu à Imo si tes pas te conduisent dans notre belle région. On fait obtenu la fête. Alors, il faut qu'on aille maintenant à 1400 mètres, autrement dit, c'est pas à côté. Allez, on y va. Rejoindre Alexandrie. On doit être niveau 10, on est que niveau 7 seulement. Allez, 850 mètres, on fonce. Allez hop. On y va. Nouveau lieu à Alexandrie. Les dieux m'en sont témoins. Je viens t'aider, Aya. Poste de garde mur sud. Oh,
Par Horus, pourquoi y a-t-il autant de soldats ici? Parce que c'est Alexandrie, hein. J'ai écrit ça. Tous les écrits doivent être copiés par la grande bibliothèque. Je ne te laisserai pas. J'imagine que les œuvres d'Archimède, Platon, Sappho et Aristote ne méritent pas d'être placées à côté de tes sublimes écrits. Comment vais-je trouver Aya parmi tous ces rouleaux? Je trouve que Phanos parle trop. Il a des idées très intéressantes. Très radical. Ça en est presque été. Ok, on a trouvé. Les choses du monde entier sont à portée de main. Ici. On a trouvé, c'est bon. Très bien. Sarapis. Et maintenant. Où est Aya? Ah, Sarapis. J'ai écrit une épopée pastorale tragicomique en son honneur. Ah. Tu es Bayek, hein? Aya a hâte de te voir. Elle va bien? Vite, suis-moi. Désolé, mon bon ami. Tu m'as l'air d'être saoul. Cette bibliothèque est réservée aux vrais lettrés. Elle se cache. Qui es-tu? Ah, tu t'intéresses au vers d'Homère, hein? Par ici, viens. Je suis le cousin d'Aya, Phanos. Ah oui, Phanos. Ravi de te rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Aya. Pourquoi parles-tu si bas? Génadios a envoyé ses hommes fouiller chaque maison. Ils font souvent sortir les habitants et les torturent pour obtenir des informations. C'est une pratique courante du régime. Génadios. Un monstre. Le Philakitaï d'Alexandrie. Il saccage la ville pour retrouver Aya. Où est-elle en ce moment? J'ai un ami très puissant, Apollodorus. Tu dois avoir entendu parler de lui. Non, jamais. Ça viendra. Quoi qu'il en soit, il a aidé Aya à échapper aux gardes quand elle a eu des ennuis. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as toujours rien dit. Toutes sortes d'intrigues politiques. Ne t'en fais pas, il t'expliquera tout. Regardez, c'est Phanos. Il se prend pour un poète. Le Sophocle des temps modernes. Il faut entendre son poème épique. Je ne vais pas plus loin. Si tu veux trouver Aya, entre dans ce monument. Allons-y. C'est par là. Fais-moi confiance. Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? Ah, ok. Comme ça, là-haut? What? Ok. On va où là comme ça là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, cinématique. Tu m'as manqué. Il ne faut plus qu'on reste séparés si longtemps. Il n'y a plus que nous. Sans Kemu. Soyons heureux d'être ensemble. Tous les deux. L'un pour l'autre. J'ai des nouvelles.
les cicatrices de la justice. Ah. Je m'en suis servi pour frapper Medunamun. Ça me peine que nous ayons à faire de telles choses. Mais je suis heureuse que tu aies agi. Pour être franc, j'y ai pris du plaisir. Ok, on a trouvé Aya. Tes mains m'ont manqué. Te toucher m'a manqué aussi. J'ai tué moi aussi. Actéon. Je l'ai traqué et j'ai découvert un masque dans sa chambre. À son retour, je l'ai contraint à le porter. Et j'ai enfoncé cette lame dans ses yeux. Aya. Mais j'ai été négligente. Un autre porteur de masque m'a suivi chez moi. Ça a été plus dur avec lui. Il en reste encore un. Ensuite, ce sera fini. Regarde ça. Je l'ai pris sur Actéon. Apollodorus pense qu'il s'agit d'un papyrus du Conseil Royal. Ça signifie que le serpent est à la cour de Ptolémée. Comment cet Apollodorus est-il au courant ? Il a des informateurs partout, parce qu'il soutient Cléopâtre. Cléopâtre ? Elle a été déclarée hors la loi. Par son traître de frère. Elle compte reprendre le trône. Elle veut la mort du serpent autant que nous. Elle me fait confiance. Elle m'a donné ça, pour lui ouvrir la gorge. C'est une lame ancienne qui a tué le tyran Xerxès. Un symbole de justice. Ingénieux. J'irai au palais. Je découvrirai qui utilise le sceau du serpent. Et je me servirai de ceci. Bien. Tu apprendras beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ? Un chemin qui mène au quai. Je n'arrive pas à croire que Phanos t'ait fait passer par la fosse. Tu apprendras beaucoup de choses dans le bureau du scribe royal. Il passe le plus clair de tout en haut. Fouille le palais en son absence. Et toi ? Je dois rester ici tant que Genadios surveille les rues. Il est décidé à me tuer. Je vais m'occuper du serpent. Voir ce que je peux tirer de ce Genadios avant de le faire taire. Découvre qui est le serpent et montre-lui le visage de la mort. Je te retrouverai au Panéon lorsque tu auras tué le serpent et Genadios. Mon cœur se languit déjà de te revoir. Le mien aussi. Allons-y. Alors, on va essayer d'aller faire Genadios. Par contre, on est que niveau 8, alors... On est que niveau 8, c'est pas oufissime. Je n'ai dû chercher Aya dans l'est d'Alexandrie.
Ok, il est au bout de la rue. En tout cas, c'est très beau. Et en plus, on avance à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi pour nous. Allez, on va reprendre le contrôle. Cible localisée. Chargement, on va y retourner, on va essayer de tuer le peintre là-bas là. Par contre, est-ce que les gardes vont être directement contre nous? Nouveau lieu découvert, garnison d'Arca. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'ils vont être tous contre nous. Quoi. Tuer le capitaine, donc il y en a deux. Piller le trésor, tuer le commandant. Ok. Oh le connard. Ok, ça fera moins un. Ouf. Ah ouais, on va faire plus de dégâts avec cette lame du coup. Bien. On n'a rien à récupérer ici. Oh putain. Non. Oh comment il court lui. Oh le con. Dégage de là. Les enfants n'arrivent pas de derrière, ça va. Bon, 269, ça le tuera pas forcément. Oh putain! Oh, what?
détruit. Oh putain. Oh, il m'a détruit avec un coup de bouclier, quoi. Ah ouais, c'est chaud là-haut. C'est sûr qu'on n'a pas le level, mais bon. Là, ça envoie du lourd quand même. On va tranquille, si on arrive à tuer le niveau 10, c'est déjà bien. Oh mais what? C'est quoi ces dégâts? Oh mais regarde ça, mais what? Il me met un coup, je tombe quoi. Oh, mais ils sont chauds les mecs, quoi. C'est pas possible. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, ça fera déjà un moment qu'on tourne. Ouais, attends, par contre là faut faire quelque chose là. T'as vu les niveaux 11 comme ils me défoncent. C'est chaud, hein, franchement, waouh. J'ai pas réussi à lui mettre une seule attaque furtive, c'est peut-être ça qui nous manquait parce qu'il était déjà mid-life. Donc pour le moment, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. A très vite pour la suite sur Assassin's Creed. Merci à tous, à la prochaine. Salut tout le monde.